Pendant longtemps, la PHP a eu la réputation d'être un peu une forteresse qui fonctionnait sur elle-même. Or, les besoins des patients, c'est la continuité de leur prise en charge entre la ville, entre l'hôpital, entre une structure légère, entre une structure lourde, entre un service d'urgence, entre une consultation. Et donc là, aujourd'hui, nous créons la première affiliation d'un centre de santé à la PHP. Ça veut dire que quand on entre dans ce centre, on entre à la fois dans ce centre et dans la PHP, avec le même système d'information, avec des équipes qui travaillent ensemble, avec des équipes qui peuvent avoir accès au dossier médical du patient tel qu'il s'est constitué à l'hôpital. Et donc c'est un changement formidable pour la prise en charge des patients. Et c'est d'autant plus important dans ce territoire où le paysage hospitalier est en train de changer. Et nous avons besoin de tisser des liens solides et forts entre les différents acteurs du soin, entre les différents acteurs de la prévention, pour qu'il n'y ait pas de trou dans la prise en charge.